Jean-Claude Van Damme. Salut, bonsoir. Jean-Claude Van Damme, mesdames, messieurs. Jean-Claude Van Damme. Alors, Jean-Claude, vous parlez français sans problème. Oui, ça va. Non, parce que vous dites, j'ai presque peur de parler français. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce que quand je fais des erreurs, parce que j'habite en Amérique, je parle souvent anglais, non-stop, ouais. Du matin au soir. Alors quand je viens ici, je fais de mon mieux, mais parfois je fais des petites erreurs de français. Il y a des bêtisiers, d'ailleurs. Alors il y a des gens comme ça qui s'occupent de ça pour bien... Voilà. Ouais. Ils sont payés pour ça, quoi. Voilà. Voilà. Je vais t'exploser. Alors tu m'as explosé. Bah, il n'y a pas de problème, il va... Il était dans le business des armes avant, il vendait des weapons, il a dit, non ? Donc il va m'exploser, non ? Weapon. Bien, alors, Jean-Claude, on arrive à la question de la fiche numéro 69. 69. Donc les rôles sont inversés, c'est vous, Jean-Claude Van Damme, qui devez me poser une question. Posez-moi la question que vous voulez. Le lobster en marque de la côte d'étoile, c'est un truc qui bouge aussi comme le poisson. Oui, c'était ma question. C'est Omar. Omar, voilà. Bien. On va parler de votre nouveau film. Vous savez comment on fait ? Non. Eh ben, je viens vous montrer. Okay, moi aussi, je dois faire, moi. Connard. On rappelle le Jean-Claude, écoute. Le Jean-Claude l'a bien fait. On dit les prénoms. Alors, le 11 juillet 2001. Sort un film qui s'appelle Répliquant, qui est réalisé par Ringo Lam, qui avait déjà réalisé Risque Maximum pour vous en 1996. On dit Maximum Risk in English. Oui, d'accord. Ah, vous voulez qu'on fasse tout comme ça, si vous voulez. On l'appelle le Scorsese asiatique, c'est ça? C'est ce qu'ils disent, ouais. Ouais. Alors, le pitch, je vais faire le pitch, ça vous comprenez, pitch. Le pitch, ouais. Le pitch. Alors, vous êtes dans le film, vous êtes Garrote, un serial killer que l'inspecteur Jack Riley s'est juré d'arrêter. Et Jack Riley est interprété par Michael Rooker. Et alors, les victimes ne cessent de s'accumuler. Il n'y a rien à faire. Vous êtes un serial killer absolument inattrapable. Quand la NSA, qui est un département secret du gouvernement, décide de créer un répliquant, d'où le titre du film, voilà, un clone génétique du tueur à croissance accélérée. Il crée un petit Jean-Claude Van Damme. Pas de croissance accélérée. Oui. C'est-à-dire que quand on sort d'un placenta à l'âge de 42 ans... Oui. Et qu'on a the brain, l'intelligence, le computer, la mémoire d'un 40 ans, mais qui est vide. Oui. Elle doit se remplir de jour en jour. Voilà. Elle doit sponging. Elle doit prendre comme une éponge. Ok. Oui. Alors, toutes les erreurs que je fais dans le film, c'est comique, parce que c'est un garçon de 42 ans avec un corps de 42 ans, mais qui a le cœur d'un enfant. Un peu comme et vous. Qui est c'est vrai, en plus. On dit risque. Non, c'est vrai. Il a raison, tu l'as senti, c'est bien. Oui. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'ils rendent le gars très, très, très méchant pour pouvoir le tourner comme ce killer et ils l'emmènent sur les lieux du crime pour essayer de réveiller sa mémoire d'il y a deux ou trois ou quatre ans. Et voilà. Et ben voilà, et le film, il est bien. Et donc, ce répliquant permettra à l'inspecteur de retrouver le meurtrier grâce au répliquant, Laurent. Ça te dit C'est possible. Ouais, c'est possible. Pourquoi Geneviève? Oh non, j'aime pas la violence. Mais c'est pas violent. Non. Déjà, Serial Killer. Elle est focalisée sur les films de cul, Geneviève. Jean-Claude Van Damme, il est bien. Ah, mais bien sûr, mais c'est un grand acteur. Non, on n'en pas non plus. Il est bien. Tu suis Geneviève, là ? Difficilement. Alors, Jean-Claude Van Damme, vous êtes né... Le plat pays... Là, c'est un grand qui monsieur. Est le mien. Votre idole. Oui. Vous êtes né en 1960, donc en Belgique. Votre père était libraire, et puis ensuite fleuriste. Et c'est vrai que votre mère vendait des soutiens-gorge ? Oui, il y a très longtemps. Oui. Ouais.
dans la rue de Flandre, dans le quartier des Marolles, quartier très pauvre. Vous étiez un enfant assez chétif. Chétif. Rêveur, nostalgique, pas du tout le Jean-Claude Van Damme qu'on connaît aujourd'hui. Anxieux. Anxieux, sensible. Toujours plongé dans les livres. Ouais. Et quand je suis venu en Amérique, parce que bon, j'ai fait du sport. Mon père m'a pris à l'âge de 11 ans, il m'a fait faire du karaté. Vu que j'étais pas tellement fort physiquement, et j'ai pu me développer mentalement et physiquement grâce au karaté. Oui, alors c'est ça, c'est que votre père, quand vous avez 12 ans, vous emmène chez Claude Goetz, entraîneur de karaté. Et là, au début, vous êtes un peu raide, un peu craintif, mais vous avez une volonté d'en faire, de progresser. Vous êtes très, très déterminé. Vous souffrez, vous abandonnez, mais toujours vous revenez comme ça. Mais t'es un peu violent. Faire de la musculation. Et à la sortie, vous êtes un champion de karaté à l'âge de 17 ans. Précisément. Vous êtes champion d'Europe en 79 et champion du monde à Waco en Floride. Et vous avez le virus de l'Amérique à ce moment-là. Si vous voulez absolument aller habiter aux États-Unis. Depuis longtemps. Hein. Ouais. Depuis l'âge de, je sais pas, l'âge de 16-17 ans, je rêvais d'Amérique. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est-à-dire que je crois que dans la vie, on a tous une mission à faire. Et c'était pour moi, j'avais cette histoire d'Amérique dans la peau, depuis le matin jusqu'au soir, les films et tout, je rêvais d'Amérique. Je suis parti en Amérique et j'ai tenté ma chance, quoi. Ouais. Alors en 83, vous commencez à faire du cinéma, vous jouez un petit rôle dans Rue Barbare de Gilles Béat. J'étais renvoyé du film. Ouais. Ah bon, pourquoi? Ah ben, j'étais arrivé un jour trop tard. Ah ouais. Il m'avait dit jeudi ou je sais pas quoi. Je suis arrivé avec le train, il y avait pas encore les. J'étais sur le set à 3h du matin, j'attendais comme un con hein, tout seul. Il y a un problème. Hein, c'était la veille. Je suis parti, et après on me téléphone le matin, hein, une espèce de con, il est belge et tout celui-là. Hein. Il m'a dit tu feras jamais du cinéma, t'es un raté, tu vois. Bah, bah, là, là. Oh là 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 là, je dis qu'est-ce que j'ai fait en France. J'ai brûlé ma carte. Ouais. Ah, j'avais peur. Ouais. Après vous repartez donc à Los Angeles. Alors, vous ne parlez pas anglais, vous n'avez pas de carte de travail, et puis il y a des milliers d'Américains qui vont à Los Angeles pour faire fortune dans le cinéma, qui ont le même rêve que vous. Des millions. Donc, il vous faudra 8 ans pour vous en sortir. Alors, vous êtes vendeur de pizza, videur de boîte de nuit, chauffeur de limousine. Videur de pizza. Renita. Vous faites tous les boulots, quoi. Ouais. Le pire boulot que vous ayez fait, c'est quoi? Attendre. Ouais. Vous êtes chauffeur de limousine. Le travail, c'est super. Quand on a une mission dans la vie et qu'on veut faire quelque chose, et on pense, sorry, hein, on pense, I have to be, je dois être un acteur. On peut le mettre be to have. Je suis un acteur, je suis à LA, je travaille pour être acteur. Et le have, c'est déjà parti, c'est à Bruxelles, ça. Alors quand je suis venu en Amérique, j'étais acteur. Même les pizzas que je les livrais ou je les dévidais, ce que tu veux, j'étais acteur dans ma tête, j'avais réussi. Hein. Ouais. Et alors, quand on pense comme ça dans la vie, c'est pour tout le monde, pour tous les Français, pour tous les Belges, pour le monde entier, quand vraiment on a une confiance, when we start to believe the belief, quand on fait confiance à la confiance, on devient confiant sur cette mission. Il y a beaucoup de gens qui disent, un jour, peut-être que ça, il n'y a rien qui se passe. Ouais. Il faut être persévérant. T'as compris, Laurent? Okay. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça, Geneviève? Alors, vous faites plein de boulot, donc vous êtes chauffeur de limousine. Et vous dites que vous avez beaucoup appris en conduisant des petits cons pleins de pognon qui se foutaient en l'air avec de la drogue. Ça ne vous a pas empêché de faire pareil après, mais non. Et pendant des années, donc, vous essayez de rencontrer des producteurs, des acteurs. Vous êtes le genre de mec un peu collant, il faut dire la vérité. C'est-à-dire que vous attendez les mecs sur les parkings, les acteurs, les producteurs. Mais ça, c'était avant la drogue. Hein. Ouais. Oui, bien sûr. C'est important parce qu'on ne reconnaît pas la voiture. Bien sûr, non, mais c'est bien plus tard. Les problèmes, quand on fait de la drogue, on ne sait plus quelle voiture c'est et quel mec on a parlé. Il y a un truc qui se passe là. Donc vous allez mettre des tracts sous les pare-brises avec votre nom, votre numéro de téléphone et tout. Vous êtes ce genre de mec un peu collant quand même. Pas collant, insistant. Ah oui, très insistant, oui. Un collant, c'est on met le sticker. Ouais. Là, je mettais une cache, j'étais poli parce que le mec pouvait l'enlever, il peut la déchirer. Donc j'avais la classe, quoi. Donc, vous faites aussi le siège des... Enfin, des... Dans le Walmart. Ouais. Vous faites aussi le siège des domiciles des stars, donc Stallone, Schwarzenegger, Chuck Norris. Ouais. Et un jour... Vous décidez de tenter le tout pour le tout. Il y a un producteur qui s'appelle Menachem Golan. Et vous lui faites, à la sortie d'un restaurant, un mawashi. C'est quoi un mawashi? Montre-lui. À toi. Ah, parce que je l'ai pris parce qu'il est... Je n'ai pas peur. Je lui ai fait un Nura mawashi. On va faire la couleur. Où c'est la caméra, là? Viens ici. C'est que je joue tout à l'heure au théâtre, quand même. Non, n'aie pas peur. T'as mis que je... Je le touche ou pas? Oh, dis-moi, t'as pas peur? Bah maintenant, c'est trop tard pour avoir peur, hein. Bah ouais. Alors j'ai fait comme ça, j'ai fait mes arènes, comme ça. Ouais, c'est mes arènes. Là! Oh là là! J'ai pris comme ça. Alors... Jean-Claude! Et voilà. Ah, je m'en vais.
Je vais t'apprendre un truc. C'est un peu technique. Ouais, mais je vais te casser l'arête du nez. Hein? Moi, je connais les garçons comme âge de distance. Distance, c'est bien. Donc voilà, donc ça, c'était à la sortie. Hey. J'ai bien fait de retirer la tête, non? C'était à la sortie d'un restaurant, donc, et la victime était Menachem Golan, donc, est un grand producteur de cinéma américain. À l'époque. À l'époque, bien entendu. Et le lendemain, il vous invite au bureau. Il vous fait attendre pendant 6 heures. Et au bout de 6 heures, vous rentrez dans son bureau et vous lui faites un grand écart entre deux chaises. Ouais. Ah, c'était plus que ça. D'abord, j'essaie de me vendre, vu que c'est un vendeur. Menachem est un vendeur. C'est pas un producteur à la Jerry Bruckheimer qui va mettre 110 millions de dollars pour un film. Lui, il fait des films pour 4-5 millions de dollars et il les vend pour 6-7 et c'est un vendeur, ok? Alors, j'entendais les vendeurs parler de gauche à droite. Alors, je dois me vendre. Ouais. Excusez-moi. Alors, je suis rentré dans l'office. Et lui, c'est le porte-clés, oui. Ouais, non, il est super comme mec. Très intelligent. Et toi aussi, d'ailleurs. Et alors, quand je rentre. Je suis un con? Non. Un mec sympa. Non, on est tous bien, Miss France. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé, je parle, blablabla, j'ai fait ceci, et puis je commence à break down. Ouais. Écoutez, le mec, ça, c'est fini, hein. 7 ans, je suis ici, ah ouais, c'est ça, ouais. J'en peux plus. Mais la reine, ça fait 7 ans que je suis là, j'en peux plus, la vérité. Ouais. De temps en temps, c'est très, très bien de dire la vérité. Ouais. Parce qu'il n'y a rien de mieux dans la vie que de dire la vérité. Hein? Quand tu dis la vérité, t'as jamais le maire, t'as pas de problème, y a pas de discussion et tout. Ça vient toujours. Et alors, ce qui s'est passé, il a craqué pour moi, il a dit, ok, tu fais Bosport, t'as une carte verte? J'ai dit, ouais, bien sûr. Bien sûr. J'ai dit, ben, j'avais pas. Et alors, il faut que je prenne un avocat dans ma tête. Et alors, heureusement que le film s'est fait à Hong Kong. Ouais. Et là, j'étais sauvé à cause de l'immigration. Il a dit à son assistante, qui s'appelait Kelly, apporte-moi Bosport, qui était le synopsis du film. Il vous a dit, you want to be a star, I'll make you a star. Ouais. C'est-à-dire quoi, Geneviève? Vous êtes une star, you are. J'aime bien, ouais. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, Jean-Claude, c'est quand le film est terminé, Menachem Golan, il le trouve pas terrible, il veut directement le vendre en vidéo, ouais, en cassette, sans passer par les salles de cinéma. Le problème, c'est important comme producteur, il y a le découpage d'un film. Ouais. Alors, quand on fait un coup de pied comme je t'ai fait là, et qu'on le découpe au milieu, on va sur un close-up d'un Chinois qui fait « Wanya !» et puis qu'on revient sur moi et on voit plus le coup de pied. Ils sont chiants, les Chinois, pour ça. Ils font non, toujours « Wanya !» Super, les Chinois. Très grand peuple. Mais seulement, ce qui se passe, et ils ont découpé le film très mauvais. On va boucher. Alors, ce qui s'est passé, j'ai dû redécouper le film. J'ai redécoupé le film le soir, à ma manière, à moi, le mieux que je savais, voilà, parce que j'étais reparti au limousine. Hein. Ouais. Alors c'était ça devait être nerveux comme découpage. Hein. Très nerveux. Oui. Non, mais c'est qu'il n'était pas content, le Menachem Golan, il lui a dit, il vous a dit, fous-moi la paix, retourne en Belgique, il vous a dit. Non, pas comme ça. Ah si, t'es pas content. Il m'a dit, tu seras la main star, et tatatitada. Alors après, le film est sorti 6-7 mois après, et grâce à la France, grâce à monsieur Sami Halida, mon pote Sami Halida. Il a distribué Bloodsport en France et ça fait un malheur. Voilà. Et donc après, on a appelé aux États-Unis Jean-Claude Van Damme, The Muscle from Brussels, ce qui veut dire les muscles de Bruxelles. Non, c'est moi qui mais me surtout les moules de Bruxelles, en fait. Muscles. Ça veut dire je veux des moules? Ouais. Ça veut dire « je veux des moules ». Incroyable. En anglais, une moule, c'est « muscles ». Ouais. Un muscle. Ce qui est bien avec le service public, c'est qu'on apprend les langues étrangères et tout. Maintenant, je me sens déjà beaucoup mieux. Le français va déjà mieux, non? Ouais, beaucoup mieux. Ça n'a rien à voir avec tout à l'heure. Jean-Claude, ensuite, vous enchaînez avec une série de succès. Succès. Énorme succès. Pour l'investissement, ouais, super. Parce que je peux regarder tous les studios dans les yeux. Je suis le seul acteur au monde, et je le dis encore maintenant, chaque producteur, j'ai jamais perdu un franc sur aucun de mes films. Ouais. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, il n'y a aucun de mes films qui a perdu un franc. Aucun de mes films, pas un centime. Ils ont tous fait de l'argent pour les studios, pour les indépendants. Même Légionnaire. Même Légionnaire. Il a été pris en vidéo en France, et les gens l'adorent, mais ils auraient dû le mettre peut-être en cinéma, non? Ouais. C'est différent, il bloque les rôles. Oh. C'est comme Répliquant. Répliquant, c'est pas un film de karaté. Hein. Ça va être il y aura de l'action, d'accord, mais c'est un film, c'est dramatique, c'est autre chose. Mais les gens, ils ont une image James Bond. Ça a pris Sean Connery 20 ans pour changer James Bond to become the sexiest guy in the world. Okay? Alors, les gens, quand ils ont une image fixée sur quelqu'un, ils restent sur la Bible ou sous le Coran. Vous voyez? Ouais. Comme les religions, on va pas en parler. Mais je veux dire qu'il faut un peu enlever ces images. Je suis crevé. De la
fait. C'est normal, c'est normal. Je ne sais pas suivre. Non, mais j'ai l'impression aujourd'hui, il faut être dans la vie, il faut être relax et dire ce qu'on pense. J'ai l'impression aujourd'hui que passer pour un héros, comment ça vous fascine plus. Non. J'ai l'impression que vous êtes moins là-dedans. Rien à foutre. Rien à foutre du show business. La fièvre d'Hollywood, j'ai l'impression de retomber. Rien à foutre des médiatiques. Je viens ici parce qu'on m'invite. J'aime bien mon public français. C'est eux qui m'ont fait. C'est pas les studios qui m'ont fait parce que. Et alors, il y a une histoire qui se passe dans le monde du cinéma, ce qui est super. Quand tu fais un film et tu réussis, tes nouveaux majeurs studios, là, le manque va être distribué avec Dimension Disney. Ouais. Du coup, c'est nouveau, le mec est bien. Et puis, il y a des hauts et bas dans le cinéma. Hein, Nicolas Cage, John Turturro. Mais ce jeu m'intéresse plus. Ouais. À l'âge de 42 ans. Mm. Et là, je me mets dans le business, je fais autre chose hein, pour l'instant. Alors, il y a aussi des problèmes, vous avez eu des problèmes. Et les problèmes, c'est bien, non? Y a eu la coke un peu, quoi. La coke, écoutez les mecs, la coke. Non, arrête tes conneries. Dis-moi, putain, t'es lourd. La coke, il n'y a pas plus merdé que je la sais, coke. Je sais, j'ai arrêté d'en prendre il y a 15 ans. Ok, ça arrête la tête, ça te fout tout en l'air. Je sais ça. On ne sait pas ce qu'on dit, on ne sait pas ce qu'on fait. On est d'accord. Okay, alors, on est très d'accord. La coke, il ne faut pas toucher, c'est de la merde. Voilà. J'ai essayé, moi, de la battre. On ne peut pas la battre. Alors, elle devient. Quand on la connaît, elle devient un compagnon qu'on ne touche pas. Je suis allergique à la coke. C'est très simple. Et c'est pour ça que je sais te parler maintenant. Je suis en forme, j'ai peur de personne, je suis fort dans les yeux parce que je n'ai pas de coke, tu vois. Bon, je parle un peu vite. C'est pas un problème, non, si je suis rapide. Je suis un mec qui est rapide, je suis speed, pourquoi? Je mange que des légumes. Je suis en pleine forme, il n'y a pas. Quoi, c'est pas. Mais je suis bien ici. Ouais, il faut. T'as raison. Hein? La coke, ça brûle les neurones mais du cerveau. Mais non, blague à part, ils peuvent envoyer deux F-15, là, nos copains, ici, là-bas, et mettre tout en... Mais ils vont prendre des mecs comme moi, ils vont m'accuser parce qu'ils ont un petit poisson comme ça, comme lui, comme comme Robert Downey Jr. Ils doivent prendre des gens comme ça, les secouer un peu pour les commerciales. Ça fait bien un journaux, parce que la moitié de l'Amérique, c'est les banques et tout, sont faites de coke. Les effets durent très longtemps. Tous les investissements, c'est quoi? Amène tout le pognon, ces billions d'or vont où? Chez vous? Chez nous? Mais qui a vendu les abris anti-atomiques en Irak? Qui? Je sais pas. On parle de coke. Paul Lou. C'est Paul Lou. Non, j'accuse personne. C'est Paul Lou, ça marche en verre. Je dis que le monde est pourri. Il faut le changer. Attention. Hein? Bien. Et il faut montrer la violence. Non. Parce qu'on fait partie d'un monde de violence. Et on ne peut pas dire aux enfants quand ils vont dans la rue, sors dans la rue, ça va être Disneyland. Tout le monde va t'aimer, ils vont t'adorer. Non, il faut dire à l'enfant qu'il y a de la merde dans la rue. Il y a de la coke, il y a ceci, il y a cela. Il y a beaucoup de dangers, c'est la jungle maintenant. Il va casser le truc. Hein, c'est vrai, hein? Il va casser, c'est pour aider les gens. Bien. Alors, on est d'accord. Alors, non, le vrai problème, c'est surtout que les bons scripts, ils vont plutôt chez Tom Cruise. Et pourtant, vous dites, je suis prêt à tourner gratuitement avec un réalisateur que j'admirerais. Certainement, c'est un de mes métiers, bien sûr. Ouais. Vous dites... Mais non, attention, ça a changé. Hein. Ouais. J'aimerais faire un film... J'aimerais faire un film, ça vous dites, a changé maintenant. J'aimerais faire un film sur la vie de Jacques Brel. Ouais, mais ça, c'est... Je suis trop baraqué pour l'instant, non? Si jamais je tombe malade, peut-être. C'est pas ça votre problème. Votre problème de carrière aujourd'hui, c'est pas ça finalement. C'est vous avez envie de faire des films de meilleure qualité avec des meilleurs réalisateurs. Non. Non. J'aime bien maintenant m'occuper de mes propres productions. Parce que quand on fait tout vous-même, il y a de l'amour qui se donne dans le film, dans le script, dans la production, dans le jeu d'acteur. Et je suis un garçon aussi. Je travaille pas tous les jours, mais 15 heures par jour, je m'emmerde. Et quand je m'emmerde, je fais des conneries. Et voilà. Voilà. T'as beaucoup d'énergie en toi. Et vous êtes, Non, il est anxieux. Il y a un autre problème, Laurent. Il y a un autre problème, c'est que Jean-Claude est anxieux. Jean-Claude dit, je n'irai pas à 60 ans. Vous avez une prémonition, vous dites qu'à 45 ans, vous êtes mort. C'est possible parce que je travaille très dur. Je travaille très très dur. Moi, je respecte un gars comme Johnny parce que Johnny Hallyday, il faut une santé dans le cinéma ou dans le show business. Ouais. Johnny, c'est pas un enfant de cœur non plus, on le sait tous. Mais grâce à Dieu, il a une santé superbe. Ouais. Alors, il y a des acteurs qui ont une santé, il y en a d'autres qui ont moins bonne santé. Et si, grâce à Dieu, si j'ai une bonne santé, je peux aller très très loin. Mais je travaille très très dur et ça paye. Les artères payent, les avions, les retours, les bazars, ceci, là. Donc 45 ans, ça vous fait quoi? S'il vous reste 3 ans Ouais, c'est possible, 3 ans. Hein. Ouais. Ça va vite, hein. Les femmes, ça vous fatigue pas un peu? Mais pour l'instant, je suis tellement
Je suis sur une histoire. Ce que je vais faire là, je vais essayer de rentrer sur le monde médiatique, dans le net. Mmh. On va annoncer un film dans le net de chaque pays. Mmh. Puis on ira sur le web. Et puis on fait avec les antennes. Mmh. AT&T, Opac Bell, ou AOL. The White Band. You know about the White Band? Hello. OK. And let's talk about son chapeau. Alors, on va aller sur le White Band. Et là, the White Band, on pourra toucher 250 millions de viewers. Ouais, ouais. Ça, c'est quelque chose de bien, ouais. Pour un film de qualité avec $1.99. Comme ouais. Tous les gens au monde entier, les gens qui n'ont pas d'argent, ils appuient sur un bouton, ils ne doivent pas attendre 40 heures pour le download, le download, OK? Parce que c'est fait avec Waves. Ouais. On va distribuer les films avec le téléphone. Ce sera la première fois qu'on le fait. Le Muscles from Brussels going to do that, OK? Ouais. Before Lucas, because on n'attend pas le satellite. Je ne peux pas attendre le satellite. Ouais. Il dépense trop d'argent. Ouais. Ça coûte des millions de dollars. Ouais. Alors, on a trouvé un système grâce au net. Pelou, c'est un moyen de nous faire du pognon, ça. Ouais. Eh oui. Traduction. Hein? Je sais pas. Foc, t'as dit quoi? T'as dit quoi? Je te demande comment ça s'écrit. F-U-C-K. Ah, bon. Bien, on continue. Bon, alors, ça change tout. Jean-Claude Van Damme, aujourd'hui, vous avez assez d'argent pour vous arrêter de bosser, non? Assez pour moi, mais pas assez pour les autres. Ah ouais. Parce que dans la vie, il faut partager. Ouais. Au plus qu'on donne, au plus qu'on reçoit. Et attention, il faut pas... Un minute. Quand on donne sans recevoir, mais quand on donne... Parce que quand on construit des entités, je dis, hein, des entités, des, oui. entités, mmh. des grosses entités, il faut... Ouais, j'ai 42 ans, hein. J'ai ouais. fait ma vie, j'ai roulé ma bosse, j'ai fait la coke, j'ai les fait les femmes. Femmes. Il y a des gens qui disent que j'ai fait 4, 5, 6, 7, je sais pas quoi. On a tout fait, OK? Alors, tout ça. Alors, après ça, on fait un point sur la vie. Alors, combien de temps il me reste à vivre, hein? 45, 60, 70, je sais pas combien de temps. Il faut faire quelque chose de bien dans la vie. Là, j'ai des fans qui m'aiment bien, il y a des qui ne m'aiment pas. Ouais. Alors, je vais essayer de tourner l'histoire en bien. OK? Et il me reste peu de temps à faire ça, peut-être 10 à 15. Parce que de 40 à 50 ans, si on a la santé, après, ouais. on devient un peu fatigué. Doucement. Non, je m'excuse, peut-être pour moi. Hein? Alors, ce qui se passe, c'est qu'on va faire. Faut je faire peux aller m'allonger 20 minutes dans ma loge, Thierry? Avec Geneviève? Je suis un peu fatigué, là. J'ai un peu, hein? Avec Geneviève, oui. Je vais m'assoupir un peu. Geneviève, viens. Bien. Non, il faut que je reste, il parle. Non, laisse-nous, Geneviève. Non, laisse-nous. Laisse-nous, Geneviève. Bon, je vais me caresser, tu arrives, hein? Oui, tout à l'heure. Non, laisse-la-nous. Laisse-la-nous, Laurent. Alors, pour finir, vous en êtes où avec les femmes, là? Pardon, j'ai ma femme. Vous êtes remarié, oui, c'est incroyable. Vous êtes remarié avec Gladys, qui était votre troisième femme. Et ouais. vous êtes remarié avec elle. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Parce que vous êtes un grand séducteur, quand même. Qu'est-ce qu'elle a fait pour vous récupérer? C'est un ange. Elle est sincère, c'est une mère de famille. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle dit du mal sur personne. Mmh. Elle fait du mal à personne. Elle prend votre enfant, par exemple, en vacances. Elle va ouais. traiter ton fils ou ta fille aussi bien que mon fils et ma fille. Elle m'a été envoyée par une force de la nature qui s'appelle, pour certaines personnes, Dieu, Allah, Bouddha, je ne sais pas comment on l'appelle. Et cette femme s'occupe de moi. Et depuis qu'elle est redevenue dans ma vie, ben, je casse la baraque. Ouais. Ah ben c'est bien, bravo. Ben bien, Jean-Claude Van Damme, on va faire une interview psy. Vous savez qu'on ne... Je m'assois. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le... On ne bouge pas pendant le jingle. Vous avez bougé? Je sais. On peut rallumer? Non, c'est... On peut pas bouger? Ah non, pas bouger. Ah, moi, je connais pas l'histoire, moi. Don't move. Geneviève, Jean-Claude, mettez-vous à côté. Geneviève. Hein? Invitez Jean-Claude à côté de vous. Voilà. Mettez-vous là. Allez. Alors on ne bouge pas pendant le jingle. Attention, Didier. On ne bouge pas pendant le. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Bien. J'ai pas bougé. Bravo. Ouais, c'est bien. Alors est-ce que vous êtes Jean-Claude Van Damme, est-ce que vous êtes mytho? Mytho, non. Est-ce que vous êtes mégalo? Mais il faut une tête gonflée pour booster son ego. Parce que ça fait part de notre dans la nature humaine. Si on ne dit pas qu'on est bien dans la vie, si on dit qu'on est petit, qu'est-ce qu'on est? On va rester petit. Je suis grand, je suis fort, je suis beau, je suis Van Damme. Voilà, c'est ça. Donc je suis mégalo, ouais, je suis mégalo.
Miss France, donnez-vous droite, s'il vous plaît. Est-ce que, non, ben, est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes parano? Pas, elle, hein? Est-ce que vous êtes parano? Parano? Seulement quand tu prends la, hein? D'accord. Ok. Est-ce que vous êtes cyclo? Cyclo? Cyclothymique. Cyclothymique. Ça a à voir avec la bicyclette? C'est pas du vélo. Non, c'est de... Être un jour comme ci, un jour comme ça. Quoi, un jour femme et enfant? Non. Un jour up, un jour down. Est-ce que vous êtes cyclo? C'est-à-dire up and down, bipolar, you mean? Voilà. Bipolar, on a tous des up and down. Mm. Mais il ne faut pas faire attention à ces choses-là, parce que si on fait attention à ces mots, on devient esclave des mots, on devient esclave des médicaments. Ouais. Alors tous ces, gros groupes pharmaceutiques, ils font des billions de dollars. Donc on est tous normal. On a des jours, où c'est haut et bas, voilà. Comme il y a le soleil, il y a la pluie. Alors il y a des jours où on est de mauvaise humeur, bonne humeur. On n'est pas. Est-ce que vous êtes maso? On aime tous avoir mal. Est-ce que vous êtes sado? Non. Sado, maso, cyclo, maclo. Est-ce que vous êtes trio? Trio, c'est quoi ça? Bah, trois, on est trois. Ah ouais, je suis trio. Dans mon business, on a trois partenaires. Non, mais dans l'amour. Hein? Dans l'amour. Mais c'est comme l'amour. D'accord. Parce que avoir des partenaires, c'est être amoureux. Des vrais partenaires dans le business, c'est des mecs qui se tiennent back to back. Ouais. Parce que moi, j'ai connu ça quand j'ai fait de la coke, je suis tombé dans la merde. Ouais. Tous mes avocats, mes agents, mes amis, ils sont partis. Il n'y a personne qui vient me chercher à l'hôpital, OK? Alors j'ai dû raser ma tête, aller au gym, tout ça. Maintenant, j'ai trouvé des gens solides. D'accord. OK. Donc il faudrait des gens, parfois, il faudrait des gens qui ont des problèmes dans la vie, qui ont connu vos histoires et mon histoire. Et des gens comme ça, ils savent qu'on ne peut pas accuser quelqu'un qui était. Parce que si on est grande idée, on n'est pas restreint comme ça, comme un cheval de course. Bon, il est trio. Est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes. Merci, Geneviève. Geneviève est une assistante délicieuse. Je suis 60 millions. Est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes homo? Hein? Homo. On est tous homo. Expliquez pourquoi. On est tous homo. Il y a le homosexuel et il y a le homo, parce qu'on s'adore. Moi, je me regarde toujours dans ma glace. Pourquoi? Pour avoir un beau corps. Ouais. Okay? Alors, on m'a donné un corps et j'essaie de le respecter le mieux que je peux. Ouais. Alors, j'aime mon corps. Est-ce que je suis un homo? Ouais. Je ne sais pas. Alors, quand je vois un homme dans une douche qui a un beau corps, je dis, il y a un beau corps, ce mec-là. Je suis homo? Non, je ne crois pas. Mais j'aime bien les belles choses. J'aime bien les belles femmes, les beaux hommes, ou j'aime bien les gens qui sont intelligents, ou j'aime même bien des nains qui savent bien peindre. Donc, j'aime les gens. Alors, je ne sais pas si je suis homo, non, mais là, on fait une... J'en connais un. Est-ce que vous êtes travelo? Ah non, non. Vous n'aimez pas les travelo? Non, c'est pas ça. Non, mais ça ne m'intéresse pas de m'habiller en femme, parce que... C'est un peu trop difficile. Quand on s'assied, il faut fermer les jambes, il faut les croiser. On n'a pas trouvé d'autre solution. Hein, c'est dur d'être une femme. Enfin, moi, je ne parle pas des femmes parce que moi, je viens des femmes. Ouais. Okay? Ah, oui, ceux qui m'ont fait. Ouais. Alors, les hommes disent toujours la femme ceci, la femme cela. Ouais. Et la femme dit l'homme ceci, l'homme cela. Et en vérité, celle qui l'a fait et lui, il se plaint d'elle. Alors, il y a un problème, le mec. Ça fait maintenant 2000 ans. Il y a les guerres, on répète les mêmes guerres toujours. On est toujours au jardin d'enfants. Ouais. Alors, je trouve qu'un homme et une femme devraient un peu plus s'entendre. Un homme doit être sensible comme une femme et une femme forte comme un homme. Oui. Comme ça, ils ont les deux qualités ensemble. Ça fait le yin et yang et ça fait un couple super comme moi et ma femme. C'est tout. Voilà, Jean-Claude Van Damme pour son film Répliquant. Merci. Merci Jean-Claude d'avoir été avec nous. Et à bientôt, j'espère. Je te serrerai la pince. J'aime bien le contact. Au revoir, à bientôt. Merci. Hein. Bye-bye. Thank you. Bye, hein, super. Mec, super. Merci pour toi. Hein. Ciao. Ciao. Okay, guys. Bye. Oh, pas grave. À la route. Hein. Alors, comment vous le trouvez, Geneviève? Ah, bien! Il vous plaît, voilà, un type bien, un garçon qui a de l'énergie, non? Tout à fait.
Vous trouvez comment, mon Paul Loup ? Plein d'énergie. Ouais. C'est une pile électrique. C'est une pile électrique, ouais. Alors, bon, puis finalement, il est marrant. Ouais. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.